Bonjour, bonjour et bienvenue à l'église M ce matin. Bonjour à celles et ceux qui sont là devant nous pour vivre ensemble ce culte de reconnaissance, ce culte d'adoration. On veut aussi derrière vos écrans vous saluer, ceux qui nous suivaient à distance. Depuis ce dimanche, on a pu alléger un peu notre protocole d'accueil et comme vous le voyez, vous pouvez du coup être en famille, assis les uns à côté des autres, en couple également, avec les enfants en bas âge, et c'est appréciable de pouvoir vivre aussi de manière un peu plus communautaire, un peu plus fraternelle ce culte. On veut commencer ce rendez-vous par ce chant qui dit « Nos cœurs sont ouverts au tien, Seigneur, nous nous attendons à toi, nous avons soif de toi, que nos chants soient comme un signe. » Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Que ton souffle Tu
par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un texte qui m'a trotté un peu dans la tête cette semaine, et ça me renvoyait vers ces quelques idées sur déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Décharge-toi de tout ce qui te préoccupe, car le Seigneur Tout-Puissant prend soin de toi. Nous voulons ensemble ce matin vivre cette grâce, vivre dans la grâce que Dieu nous offre. Nous voulons être libérés de nos soucis, de toutes ces choses qui ne nous permettent pas ce matin ou dans mon quotidien d'avoir une connexion à très très grande vitesse avec le Seigneur. L'onction du Saint-Esprit n'est pas contenue dans les chants qu'on va chanter ensemble. Elle est en chacun d'entre vous. Chacun de nous sommes un vase qui contient un doux parfum. Prenons soin de ce parfum qui est en nous. Que nous soyons dans ce temps de louange et à travers ces chants, rafraîchis, renouvelés, afin que notre vase personnel puisse déborder afin de rayonner. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Et on veut remplir ce matin, non pas que l'église, mais tout le ciel de nos louanges. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers vont. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de ton grand nom.
puissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es ma force et mon...
danger qui m'entoure. Je lève la voix pour accueillir ton amour. Je ne crains pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour te ramener. Que tu es fort et puissant, ne peux te résister. Glorifié, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous t'aimons, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Ton amour, je prends mon...
Bonjour, bonjour à chacun et chacune. Ça fait tellement plaisir de vous voir, de vous revoir, de découvrir les petits bébés qui sont nés pendant les confinements, qui ont bien grandi. D'ailleurs, cette semaine, il y a une Augustine qui est née, Augustine Crouzet, et nous félicitons toute la famille. Ça fait du bien de nous voir et ça fait du bien de louer le Seigneur tous ensemble. Donc, comme l'a dit Basile, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir en plus grand nombre. Et si jamais vous avez des problèmes pour vous inscrire au niveau de l'Internet, n'hésitez pas à venir, on prendra vos inscriptions à l'entrée. Et puis, je vous rappelle que les programmes pour enfants continuent sur YouTube, sur le site de l'église Kids à la maison. Il y a un nouveau programme qui va être mis, n'hésitez pas à vraiment en profiter. Et puis, pour les choses pratiques, pour l'offrande, merci pour votre fidélité à participer aux frais de l'église et apporter votre offrande au Seigneur, c'est surtout ça. Il y a une boîte qui est dehors pour nous qui sommes ici et pour tous les autres, il y a tous les moyens de paiement que vous connaissez qui sont toujours d'actualité. On vient de chanter « Maintenant je vis, en ton amour je prends mon essor, rien ne peut me séparer de son amour ». Est-ce que c'est vrai pour vous ? Est-ce que vous l'avez déjà vécu ? Pendant les cultes que nous avions pendant le confinement, justement, en vidéo, à un moment donné, Jean-Pierre, il a dit « Oh, quand ce sera fini, nous allons tous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous pendant ce temps de confinement. Comment notre vie a été vécue ? Comment nous avons vécu avec Dieu ? Est-ce que cela nous a rapprochés de Dieu ou pas ?» Alors, il y en a une qui a entendu cela et m'a téléphoné, m'a dit « Tu sais, Jean-Pierre, il a dit qu'on peut témoigner, alors moi je suis prête, je veux témoigner. » Et depuis qu'on a repris les cultes en présentiel, elle n'arrête pas de me dire « C'est pour quand ? C'est pour quand ?» Eh bien, c'est pour aujourd'hui. C'est Carole qui va témoigner. Alors, pour ceux qui nous suivent sur la vidéo, vous savez, Carole, c'est celle qui met tout le temps plein de commentaires dans le chat. Hein. C'est elle. Et c'est elle qui va venir témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle pendant ce confinement. Bonjour. Je voulais vous faire partager ces derniers mois. J'ai été opérée au mois de décembre et au mois de janvier du dos. C'était une opération lourde, mais je n'ai jamais eu peur. J'ai fait confiance à notre Seigneur.
Je suis rentrée mi-janvier et pendant les 15 premiers jours, ça a été un véritable bonheur de rentrer chez soi. Passé ce délai, j'ai commencé à ne pas être bien. Mes sorties étaient plus que limitées car j'habite au Haut-Livron et autour de ma rue, il n'y a que des descentes et des montées et je ne devais pas forcer, faire aucun exercice. Donc depuis décembre, pendant 4 mois, j'ai dû être allongée jour et nuit. À ce moment-là, au lieu de me tourner vers Dieu, j'ai été incroyablement égoïste et je n'ai pensé qu'à ma petite personne. Je n'ai cessé de me plaindre au téléphone que j'avais mal, que je me sentais enfermée, que personne ne venait me voir. Je ne priais plus et j'ai laissé aucune place à Dieu et évidemment mon moral a sérieusement décliné. Je suis même retournée à ce dont Dieu m'a délivrée, l'alcool. Je n'ai pas bu par besoin ni même par envie, j'ai bu parce que j'étais en colère. J'étais en colère contre tout le monde, mais surtout contre moi-même et Dieu. Je me suis dit qu'en commettant un aussi gros péché, Jésus m'abandonnerait définitivement. Pendant 24 ans, je n'ai connu qu'alcool et dépression. Le fait d'être toujours mal, c'était ma normalité à moi. Depuis mon baptême et même ma rencontre avec le Seigneur, je vis beaucoup de bons moments, très heureux et des miracles. À chaque fois que je retombe moralement, il n'y a rien qui ne va pas, sauf que je suis heureuse. Et ça, c'est difficile à accepter. Je ne comprends pas pourquoi moi, pourquoi Jésus m'apporte le bonheur, la joie, la paix et la liberté, tout ça en abondance, alors que je commets tant de péchés. J'ai encore du mal à me dire que pour Jésus, c'est cadeau, il n'attend rien en retour. J'ai rebu pendant 4 jours, jusqu'à ce qu'environ une semaine du confinement, une amie m'a envoyé la prédication de Joyce Meyer. Et là, de nouveau, j'ai senti Jésus près de moi. Les semaines qui ont suivi, j'ai téléchargé énormément de sites. Tout un tas de sites où plus j'en apprenais, où plus j'étais dans la paix et la joie. J'ai aussi compris que la Bible, la parole de Dieu, est tout aussi importante que la prière. Avant, je ne lisais pas énormément la Bible, mais j'avais déjà une relation forte avec Dieu dans la prière. Mais maintenant, je sais qu'on ne peut pas dissocier les deux. Moi, j'en ai besoin pour pouvoir m'améliorer. Pendant le confinement, toutes mes journées étaient consacrées au Seigneur et une fois par semaine, je coupe le téléphone et pour mon plus grand bonheur, je reste dans la paix, dans la présence du Christ. Je suis dans une paix profonde et dans la joie. Plus j'écoute et je lui obéis, plus il me donne tout en abondance. Toutes ces semaines où j'étais avec le Seigneur, le diable m'a beaucoup fait peur. Je faisais pratiquement toutes les nuits des cauchemars où il y avait des démons. D'habitude, normalement, on ne contrôle pas ses rêves, mais j'ai noué une telle relation avec le Seigneur que lors de mes 2 derniers cauchemars, j'ai réussi à dire une phrase « Jésus, aide-moi » et je me suis réveillée. Du coup, Jésus m'a encore secouru et je n'ai plus eu peur et le diable m'a laissé tranquille. Il y a à peine 2 ans, j'avais tellement grossi que je n'avais plus de vêtements qui m'allaient. Il ne me restait qu'un jean qui se déchirait. J'avais aussi une dette qui était là depuis plusieurs années. Heureusement, Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui ne me connaissaient pas, mais qui ont été d'une incroyable générosité et qui m'ont donné plus ce dont j'en avais besoin. Aujourd'hui, dans tous les domaines, mon Seigneur m'a donné plus que ce que je n'ai jamais eu. Voilà, depuis 4 ans que je vis ma foi, mon Seigneur est pour moi et chaque jour encore plus. Mon consolateur, mon papa et mon ami, mon guérisseur, il est mon bouclier face à l'ennemi. Avant mon opération, je me posais la question à savoir si j'aimais vraiment profondément Jésus. Aujourd'hui, je sais que la réponse est un grand oui, car j'essaye de faire au mieux pour lui plaire. Pour moi, maintenant, dès que quelque chose ne va pas, la première chose que je fais, c'est que je prie. Quand viendront les jours où je serai tourmentée, je veux laisser ma main dans celle de Jésus, car lui seul peut me secourir. Merci, merci Carole. Attends, reste encore à côté de moi. Attends, on va prier pour toi.
Nous sommes témoins, nous sommes plusieurs là témoins de tout ce que Carole a vécu au jour le jour. Et cette question qui était toujours là, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Et là, elle m'a téléphoné l'autre jour, elle m'a dit oui, maintenant je sais que je l'aime. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. En son amour, je prends mon essor. C'est dans l'amour de Dieu qu'on prend notre essor. Et dans ce que tu as partagé, je me dis, mais c'est vraiment une question de regard. Le regard porté sur soi, sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ou un regard porté sur Dieu, sur ce que lui, il fait, sur ce que lui, il est pour nous. Je voudrais prier avant de te laisser descendre. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu as fait dans la vie de Carole. Merci Seigneur d'être venu la chercher là où ça se trouve et de lui montrer combien tu l'aimes avec abondance. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous, nous qui sommes dans la salle, tous nos amis qui nous regardent en vidéo. Seigneur, tu connais les besoins de chacun et tu sais profondément notre besoin d'amour, d'être aimé d'une façon inconditionnelle. C'est un truc qu'on ne connaît pas ici sur cette terre. Nous, on ne s'est pas aimé d'une façon inconditionnelle. Seigneur, je te prie de déverser ton amour dans nos cœurs. Et c'est ton amour, Seigneur, qui va nous relever, qui va nous donner un nouvel essor. Et avec Carole, Seigneur, nous voulons dire maintenant je vis. Accompagne Carole, accompagne chacun d'entre nous dans cette nouveauté de vie. Amen. Merci Carole. Bonjour à Franck. Et à ses amis qui nous regardent, Franck et toute sa famille, alors on vous les salue bien fort, oui, tu peux le dire. Alors c'est l'été, et l'été, nos amis, nos frères et sœurs, nos familles sont en vacances et nous sommes très heureux d'avoir nos étudiants en théologie en vacances et en vacances à Valence. Alors voilà, il y en a qui étaient au premier culte et là il y en a qui sont au second culte. Bienvenue à la maison à nouveau. Et nous voulons profiter de leur présence comme l'été dernier pour être au bénéfice de leur ministère et c'est eux qui apporteront la prédication tout au long de l'été. Et c'est Mélanie qui démarre la série et je voudrais lui laisser la parole. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir, enfin, ça faisait longtemps. Je suis revenue de Paris, enfin de Vaux-sur-Seine, pour les vacances, et j'ai découvert la ville de Valence qui a changé. Est-ce que vous avez remarqué que la ville de Valence a changé? Vous n'avez pas remarqué le nombre de sens uniques qu'ils ont rajouté? Ouais, bah parce que maintenant, quand je vais amener ma sœur au collège, je suis obligée de faire un détour, mais de ouf, juste parce qu'elle est au polygone, là, vous savez, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais là, il y a un sens unique maintenant, parce qu'ils ont fait des pistes cyclables et tout. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Bah, certainement pour qu'on fasse plus de vélo, mais bon, moi, je ne fais pas de vélo, et du coup, je dois amener ma sœur en voiture. Et quand je rentre chez moi, je dois faire un détour de ouf. Et je me dis, mais c'est quand même dingue ça. Je veux juste aller là et on me fait passer là. Pourquoi je ne vais pas là? C'est tellement plus logique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, surtout genre le soir, quand il n'y a plus personne, bon ça va, il n'y a personne qui regarde, je vais tout droit. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous. Moi non plus. Mais des fois, on se pose la question. Hein. Après tout, c'est bon quoi, on peut y aller. Ça me fait penser en fait à toutes les fois où on a envie de prendre des raccourcis qui ne sont pas forcément des bons raccourcis. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une histoire qui se passe dans la Bible, c'est mieux, où quelqu'un a été amené à prendre un raccourci mais qu'il a choisi de ne pas le prendre. Alors, avant de lire cette histoire, je veux juste placer le petit contexte pour savoir où on est. Si on devait dire que l'Ancien Testament était une série télé, on la séparerait certainement en plusieurs saisons. Et là, moi, si j'étais réalisatrice ou quoi, je dirais qu'on est dans la saison 2 à peu près. Le peuple d'Israël vient de s'installer en terre promise. Ça, c'était la fin de la saison 1, youpi, machin, tout ça.
Sauf qu'en fait, il traverse une période un peu compliquée. Et il demande un roi pour qu'il mette un peu d'ordre, parce que ça partait vraiment en live. Hein. Alors Dieu accepte et choisit Saül. On nous dit que Saül avait l'apparence physique d'un roi, en effet. Il était beau, il était grand, il était fort. Donc quand on le voit, on se dit « Ah, ça ferait un bon roi ». Eh bien voilà, c'était un bon roi. Du moins au début, franchement, qu'au début de l'épisode. Hein. Parce que très rapidement, Saül a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à être fier, obstiné. Je fais ce que bon me semble, et puis Dieu y bénira. Forcément, ça n'a pas fait plaisir à Dieu. Alors, Dieu a décidé de remplacer Saül et de placer à la tête du peuple un homme selon son cœur. Quelqu'un qui fasse réellement la volonté de Dieu. Quelqu'un qui cherche à obéir à Dieu. Dieu choisit alors David, un simple jeune berger qui ne paye pas trop de mine. Mais alors, c'est un peu particulier. Ça, c'est vraiment le moment de la saison que moi, j'ai toujours un peu du mal à comprendre. Il y a le prophète qui vient voir David et qui lui dit « David, Dieu t'a choisi pour être roi. » David se met à genoux, il verse l'huile d'onction sur sa tête en signe que cet homme est consacré. Il est mis à part pour devenir roi. Sauf que dans l'affaire, Saül, il est toujours roi. Donc en gros, David, on lui dit « Tu seras roi », mais bon, là, en ce moment, il y a Saül. Et à partir de ce moment-là, on arrive à un moment où David va juste monter. Il va escalader les échelons, alors que Saül, lui, va entrer dans une déchéance totale. David commence fort. Il combat Goliath, il le tue, un bon grand monsieur. Il devient général, il gagne toutes les batailles, tous les honneurs. Il se marie même avec la fille de Saül. Saül, lui, sombre doucement dans la jalousie, la rage et même, on peut le dire, la folie. Il décide fermement de tuer David. Et alors là, on entre dans une course-poursuite version Proche-Orient ancien. David ayant appris cela, il fuit dans le désert. Saül, lui, ne cesse de le traquer. À un moment où Saül était sur le point d'arriver à David pour le tuer, Saül est appelé par l'armée parce qu'il y a le peuple d'à côté là, qui est en train d'attaquer une ville israélite, les Philistins. Donc du coup, Saül part et David, lui, est dans cette région désertique. Et nous lisons en 1 Samuel 24. David quitta cette région, donc le désert, et il alla s'installer près d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Gedi. Il rassembla alors 3000 hommes choisis dans l'armée d'Israël et il partit à la recherche de David et de ses compagnons d'armes qui se trouvaient en face de la roche au Bouquetin. En passant près des enclos à moutons qui bordaient la route, Saül vit une caverne et il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux-ci lui chuchotèrent, « Voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, un jour, je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. » Alors, David s'avança et il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons,
Que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'huile d'onction. Par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Saül quitta alors la caverne et reprit sa route. David sortit peu après lui et cria « Mon roi !» Saül se retourna pour regarder. David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis lui demanda « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire ? Tu peux constater qu'aujourd'hui même, le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau. Je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux. Qu'il me venge du mal que tu m'as fait. Mais moi-même, je ne te ferai rien. Intéressante histoire. Hein. C'est un moment tendu quand même. Hein. On sent que dans cette caverne, c'est fou. Elle est où cette caverne d'ailleurs ? On nous dit qu'elle se situe dans la région d'En-Gedi. En-Gedi. Vous connaissez En-Gedi ? Moi, je ne connaissais pas, donc je suis allée chercher vraiment sur Internet. Je me suis renseignée. En fait, En-Gedi, ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui, c'est un parc naturel qu'on peut visiter. Vous voyez deux petits bonhommes là. C'est beau, hein ? Ah, on passerait des vacances. Ouais. Alors en fait, En-Gedi se trouve sur la rive ouest de la mer Morte. Et clairement, c'est principalement des parois rocheuses d'une hauteur immense, des ravins infranchissables. Et une région aussi avec de nombreuses cavernes. On apprend que David est caché dans l'une de ces cavernes, avec ses hommes. Ses hommes, juste avant ça, on nous dit que ces hommes, en fait, c'est pas juste trois mecs bien sympas. Ils étaient 400. Donc on peut imaginer que bon, c'était pas juste une simple grotte, mais c'était quand même une grosse caverne. David était là, avec ses hommes, certainement au fond de la caverne, pour être discret, dans le noir. À peine la guerre contre les Philistins terminée, Saül s'engage dans une autre guerre. Il passe des Philistins à David. Il réunit 3000 hommes d'élite, direction En-Gedi, pour David. À votre avis, juste avec ces trois premiers versets. Saül était quel type d'homme ? Plutôt déterminé, hein. Il savait ce qu'il voulait. Il enchaîne. Il ne cesse de frapper. On dirait qu'il ne se fatigue pas. Avez-vous déjà rencontré ce type de personne ? Avez-vous déjà vécu des situations qui vous font vivre dans une peur récurrente, constante, au point que vous vous disiez, c'est quand que ça s'arrête ? Êtes-vous en fuite ? Es-tu en ce moment caché dans une caverne ? David est dans cette caverne avec ses hommes, certainement désemparé. Il a peur, il se demande quand ça va finir. Et là, le truc improbable arrive. Saül entre dans la caverne, dans cette même caverne. Il doit y avoir plein de cavernes dans ce truc-là, mais la même caverne. Mais en plus, il y a un truc de particulier. Saül n'est pas avec ses 3000 hommes d'élite. Il est seul. Pire, il vient faire là
ses besoins. Donc Saül est en fait dans une situation de vulnérabilité. Il n'est pas du tout le roi entouré de son armée. Il n'est là qu'un homme, les fesses à l'air. L'occasion est trop belle. Les hommes de David s'en rendent très vite compte. Ils commencent à parler. La traduction en Nouvelle Français Courant dit qu'il chuchotait. En vrai, il parlait juste, mais j'aime bien cette idée de chuchoter. Ils étaient là, ils voyaient le truc qui se dressait devant eux, ils se disaient, mais il faut faire quelque chose. Mais attendez, mais regardez devant vous. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? David, voici le moment annoncé par le Seigneur. Lorsqu'il t'a dit, un jour, je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. La situation est tellement extraordinaire que les hommes de David concluent que c'est Dieu qui a provoqué cela pour que cette prophétie se réalise. Un jour, je te livrerai ton ennemi. Bon, alors le seul souci, c'est qu'en fait, les hommes citent une prophétie qu'on ne trouve nulle part. Elle a très probablement jamais été dite, en fait. Mais quand même, ce sont des bonnes raisons. Enfin, devant eux, l'opportunité que cette fuite cesse. Enfin, la souffrance va terminer. Enfin, David sera roi. Entendez-vous des chuchotements dans votre caverne? Des conseils sur la manière dont vous devriez gérer vos relations avec vos collègues, avec vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents. Des conseils sur la manière dont vous devriez gérer votre argent, votre temps, votre investissement, votre service dans l'église. Des conseils sur la manière dont vous devriez vivre votre relation avec Dieu. La fin justifie-t-elle les moyens ? Vas-y, prends cet argent. Personne ne s'en rendra compte, de toute façon. Et au moins, tu pourras payer tes dernières factures. C'est certainement Dieu qui a placé cet argent devant toi. Non, ne la rappelle pas. Après tout le mal qu'elle t'a fait, elle mérite de rester seule pour une fois. C'est certainement Dieu qui est en train de lui apprendre quelque chose. Je n'arrive pas à trouver ma place dans l'église. Peut-être que Dieu est en train de me dire d'arrêter de venir. De toute façon, je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai besoin que de Dieu. Dieu nous promet des choses. Il nous promet sa joie. Il nous promet son amour, sa paix. Il nous promet sa présence. Il nous a dit que sa présence était le meilleur endroit au monde. Il nous a dit que tout était accompli. Quand Dieu promet, nous pouvons nous saisir de ses promesses. Hein ? Que faisons-nous de ce que nous écoutons ? David, voici le moment annoncé par le Seigneur. Vous savez à quoi me fait penser cette phrase ? Elle me fait penser à un autre épisode dans la Bible qui s'est passé bien après, pas très loin d'ici. Après avoir reçu le baptême, la consécration, Jésus se retira dans le désert. Satan est venu dans ce même désert pour le tenter par trois fois. Et je trouve que la troisième tentation est particulière. Il est dit, alors c'est pas Matthieu 5, c'est Matthieu 4, 5 peut-être. En tout cas, c'est chapitre 4, désolée. Il est dit, le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit, « Je te donnerai cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Jésus est Dieu. Il mérite toute la gloire. Il est Dieu.
Et le voilà, homme parmi les hommes, appelé à vivre une vie d'homme. Il est appelé à mourir pour l'humanité. Il savait ça. Il savait qu'il venait pour mourir. Il savait aussi qu'il venait pour ressusciter. Il savait aussi que s'il venait, il serait glorifié à la fin. C'est bien de ça qu'on parle. Tous les royaumes du monde seront à lui. La splendeur lui appartiendra. C'est cette fin-là. Satan savait ça. Satan savait que Jésus était appelé à une mission particulière. Et il a touché dans le mille. Il lui a dit, tu veux ça? Regarde ça. Mais quel mauvais conseil. C'est bien cette finalité-là, mais pas du tout le bon moyen. David aussi a reçu cette prophétie qu'un jour il serait roi d'Israël. Il avait reçu la promesse de Dieu. Alors, David s'approcha. Il s'approcha de Saül. Et là, il coupa le pan de son manteau. Alors moi, à chaque fois que je lis ça, ça me fait rire. Je sais que voilà, on a 2000 ans d'écart, 3000 ans d'écart avec David, la culture était différente, tout ça, tout ça. Mais quand même, c'est bizarre. Hein. Il s'approche et qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il est en train de faire ses besoins et lui, il coupe un pan du manteau, quoi. Pourquoi il fait ça? En fait, ce passage, j'ai cherché parce que ça me troublait un peu. Et je crois que la Bible, elle dit pas des bêtises, donc il faut chercher. Et j'ai trouvé qu'en fait, le vêtement dont il est question ici, c'est la robe royale. En gros, ce manteau se mettait par-dessus le reste des vêtements et il était associé au titre de la personne. Donc, ce manteau symbolisait la royauté de Saül. C'était le manteau qui rappelait à tout le monde en le voyant, ah ça, c'est lui le roi. Donc, on peut comprendre que quand David coupe ce manteau, il coupe aussi un morceau de la royauté de David. Eh ouais. De Saül, pardon. Ouais, il y en a qui suivent. C'est plutôt là que ça suit, du coup. Okay. Non, Donc, en coupant ce manteau, finalement, il rend sa royauté incomplète. David avait certainement conscience de cela. En voyant le manteau, il a réalisé. Et en coupant ce manteau, son cœur s'est mis à battre très fort. Dans d'autres versions, on trouve son cœur le reprit, comme si en lui-même, quelque chose lui disait que ce qu'il faisait n'était pas correct, comme s'il prenait conscience, comme si ses yeux s'ouvraient. Vous vous rappelez, David est le roi selon le cœur de Dieu. Alors il retourne vers ses compagnons. Vous imaginez, alors ça je trouve ça dingue aussi, les compagnons, là, les 400, hein, ils sont là, vas-y, tu vas le tuer, c'est bon, on va sortir de la caverne, on va gagner, machin et tout. Lui, il y va, il coupe un morceau et il revient, non pas avec la tête de Saül, avec le bout de manteau, là. Et comme ça, il est là. Et les mecs, ils devaient dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, on le voit après que, heureusement qu'il a bien parlé, parce qu'il les a empêchés de se jeter sur Saül, les 400, là. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'huile d'onction. En coupant le morceau du vêtement royal, David était en train de lever sa main sur le roi, celui qui a reçu l'onction. C'était non seulement un acte contre le roi, mais c'était aussi un acte contre Dieu. David réalise qui est devant lui. Ce n'est pas seulement Saül, le fou, le rageux, le jaloux, celui qui veut me tuer, celui qui a ma place. C'est Saül, celui que Dieu a choisi. Je trouve qu'il est impressionnant de voir comment David est humble dans cette situation. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, c'est pas ça à la télé, j'ai regardé le film Gladiator. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est trop stylé. En bref, je vais essayer de ne pas vous spoiler, je l'ai fait au premier culte, mais j'essaie de... Voilà. En clair, le film, c'est l'histoire d'un général. On lui dit qu'il va devenir empereur, mais finalement pas. Il devient esclave.
Ce général passe d'esclave, ensuite à gladiateur. Et il se retrouve à défier l'empereur, le faux empereur, face à face. Sauf que, quand il le fait, il y a un colisée rempli. Ah, belle ambiance. Il y avait du monde, hein. À l'époque, c'était assez unique. Donc, le gladiateur est là, en train de défier l'empereur avec un public énorme. C'est stylé. C'est à l'américaine, un peu, et tout. Mais David, il n'était pas à l'américaine, on dirait. Ce qui est drôle, c'est qu'en étant là, proche de Saül, David aurait pu se dire, allez, je vais le tuer, au moins c'est réglé, cette affaire. Et il aurait pu se dire, non, c'est pas top. Parce que là, ça fait vraiment, je le tue dans son dos, il n'y a personne pour regarder. Les gens, ce serait quand même mieux qu'il y ait du monde autour. Et que les gens voient vraiment que c'est moi le roi. Parce que j'ai vraiment tué Saül, parce que j'ai vraiment été plus fort. Parce que s'il n'y a pas des gens, mon autorité, elle ne va peut-être pas bien... Les gens, ils ne vont pas me respecter, hein, en fait. Ils vont croire que je suis juste le mec qui a fait un coup d'État. C'est marrant, hein. David est tellement loin de ça. C'est même pas dit qu'il a pensé à ça. Il n'a même pas les yeux sur la politique, sur l'honneur, sur son appel, sur lui-même. Il a les yeux sur Dieu. Alors qu'il est face à son ennemi, il ne voit pas le mauvais roi. Il ne voit que Dieu. Il respecte tellement Dieu qui ne pourrait jamais toucher à la vie de cet homme. Revenons à l'exemple avec la tentation de Jésus. Jésus répond à Satan, « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Jésus n'a même pas regardé à sa souffrance à venir. Il n'a regardé qu'à Dieu. Adore le Seigneur ton Dieu seulement. Que regardons-nous ? Quand nous voyons l'épreuve, nos yeux se posent sur quoi ? Il est tellement naturel d'avoir d'abord les yeux fixés sur la finalité, sur la fin, là où je vais. Il est tellement plus simple de choisir la voie facile, rapide, qui donne le même résultat. Il est tellement plus naturel de satisfaire nos frustrations plutôt que de vivre avec. Mais David, comme Jésus, n'ont pas choisi une option qui les concernait eux. Ils ont choisi Dieu. Ils ont choisi de voir leur épreuve, leur frustration, leur tentation, leur peur, leur caverne, leur ennemi, selon le regard de Dieu. À la fin de ce passage, Saül sort, et David, après avoir vu, après l'avoir épargné, il sort aussi. Il regarde dans les yeux Saül, et il lui montre, il lui prouve qu'il lui est resté fidèle. Il lui prouve qu'il n'est pas resté fidèle seulement à lui, mais à Dieu. C'est osé quand même. Enfin, moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, peut-être à la limite, je serais capable d'apprendre à voir l'autre, voilà, selon le regard de Dieu et tout, mais dans l'action, après, genre sortir, il y a les 3000 hommes là-bas, Saül aurait pu dire, ils sont là! La défense de David est entièrement fondée sur la justice de Dieu. Une justice bien plus grande que tout ce qu'on peut connaître sur terre. En choisissant de ne pas tuer Saül, finalement, David laisse entièrement la part à Dieu. Quelle foi ! Alors que David crie, d'où me viendra le secours ? Il sait que la réponse est « Le secours me vient de Dieu ». Jamais il a dit « Le secours me viendra de moi-même ». Il s'attend à Dieu, il croit en la promesse, il croit en cette finalité, il croit qu'il va devenir roi. Mais il laisse Dieu faire le bon chemin pour atteindre ça.
Il ne va pas court-circuiter Dieu. Il ne va pas prendre de raccourcis. Il sait que ça doit se réaliser d'une bonne manière, d'une manière qui rende gloire à Dieu. En choisissant la patience, David choisit la soumission à Dieu. Il choisit de se soumettre à sa volonté. Après ce qu'il a entendu, après ce qu'il a vu, David choisit de rendre gloire à Dieu. Pour nous aujourd'hui, je trouve que c'est moi un texte en tout cas qui me parle, j'espère qu'à vous aussi. J'ai souvent l'impression d'être ici et que Dieu m'a montré que j'allais être là-bas. Et des fois, je trouve que c'est un petit peu trop long. Des fois, je vois qu'en fait, sur le chemin, il y a un peu trop de cailloux. Et je vois que là-bas, il y en a moins, en fait. Et je vois que ce chemin, il peut amener un truc qui va dans le même genre, quoi. Les épreuves nous font souffrir. Le quotidien devient lourd. Le monde devient lourd à porter. La société, la mentalité, cette culture. Nous marchons entre ces deux points. Et alors que nous marchons, que nous fatiguons, nous devons suivre l'exemple de David. Nous devons nous demander, est-ce que ce chemin que je suis en train de prendre rend gloire à Dieu ? Je veux juste terminer en vous disant la fin du chapitre. Saül, l'ennemi de David, dit à la fin, « Maintenant, je le sais, un jour, tu seras roi et le pouvoir royal en Israël restera entre tes mains. » David n'était pas encore roi, mais Saül avait reconnu qui il était. Il a vu. J'aimerais bien. Je veux marcher en me disant qu'un jour, on dira « Maintenant, je le sais. » Je reconnais que Jésus est Seigneur et un jour il sera pleinement le roi de toute la terre. Je veux marcher, que chacun de mes pas marche vers ça. Je vous propose de terminer en passant juste un temps chacun. Regardez à votre propre caverne et je vous propose de prier. Et pour cela, je vous propose une prière qui a déjà été écrite par David lui-même, en fait, alors qu'il était justement dans cette caverne. Si vous avez le cœur pour, je vous encourage à faire de cette prière la vôtre, de s'inspirer de ce que David a vécu à travers vos propres épreuves.
tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Tu fais que tout, oui, tout concourt à mon bien. Rien ne peut nous séparer, même si je me suis éloigné. Ton amour demeure. Je fais encore tant d'erreurs, mais les bontés se renouvellent à chacun. Ton amour demeure. Oui, la journée. On veut conclure ce culte par un chant de joie, un chant de proclamation. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne crains rien, car la joie du Seigneur est ma force. Pour cela, les jeunes de l'Église, vous avez pu le voir dans une des soirées qui était proposée, qui est toujours en ligne, ont concocté une super chorégraphie, une super danse dessus, et où on va vivre ça ensemble ce matin. Thank you.
L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir car mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Je donne mon tour et bien plus encore. J'entends une montagne au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne crains rien. Car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur. Je suis sa demain. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, oh, oh. Sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même au plus fond de l'ennemi, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever le roi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne crains rien. Mon cœur, je suis sa demain. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Oh, oh, oh. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta lumière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne crains rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur. Je suis sa demain. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Merci beaucoup.
Excellente journée, excellente semaine à chacun. Qu'on soit vraiment bénis parce que Dieu a semé dans nos cœurs ce matin. Belle journée à vous. Tu es avec moi, ton amour.